My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Dévoré par la haine, le personnage de Hatred se livre au massacre de forces de l'ordre et de civils. Le jeu a soulevé une vague de protestation à sa sortie pour sa violence. Il permet de tuer des innocents, met en scène des exécutions d'une sauvagerie rare, avec une mise en avant très poussée sur les cris d'effroi, de douleur des victimes et du sang. Plus que tout autre, le titre a été victime d'attaques de toutes parts, venant d'associations, de journalistes, etc. Hatred soulève une question sur lui-même, au milieu des débats enflammés sur la violence dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui le rend si inacceptable? L'une des réponses se trouve peut-être au cœur de la construction même des jeux vidéo, mettant la brutalité au premier plan. Allez, Games in Pixel, c'est parti. Développé par Destructive Creation, le but de Hatred est simple. Massacrer de pauvres innocents sur votre route, les punir d'avoir existé. Le jeu commence avec une tirade du personnage principal, sans nom, disant qu'il déteste le monde, que celui-ci mérite de mourir. L'histoire n'évolue pas plus que ça, elle est une course au carnage. La vague de protestation apparue lors de la sortie du jeu fut des plus grandes. Les raisons sont simples, nous tuons des civils. Mais qu'est-ce qui fait que cela soit encore plus inadmissible que GTA? L'une des raisons pourrait être un problème d'adhésion. De nombreux jeux vidéo offrent des tueries en masse. De Doom à Ghost Recon Wildlands, le gameplay repose sur l'élimination pure et simple de ses ennemis. Toutefois, dans ces titres, cela semble plus admissible. Le premier dépeint un monde infernal, envahi par des monstres, ils sont hideux, proches de nos représentations démoniaques, renvoient à la mort et envahissent un monde. Ils pullulent de partout comme des araignées sortant d'on ne sait où. Ils veulent notre mort, nous devons dès lors contre-attaquer. Le deuxième propose un univers où les cartels de drogue ont envahi et dominent la Bolivie. Les sbires à la solde du terrifiant cartel de la Santa Blanca sont cruels, font preuve d'ostentation avec leurs voitures hors de prix au milieu de la pauvreté, enferment des civils, bafouent les droits des autres, tuent sans vergogne quiconque s'oppose à eux, et suivent un chef fanatique. Dans les deux cas, l'ennemi présenté est mauvais. Il est monstrueux physiquement ou moralement, montré comme un méchant incontestable par toutes les valeurs morales de la société. Il est celui que nous devons éliminer, car l'ennemi est défini, sans débat préalable, comme une sorte de bouc émissaire parfait. Tout l'univers de ces jeux, Doom et Ghost Recon, est construit pour faire adhérer le joueur au fait qu'il pourra exercer des tueries. Il est la justice, ou de façon plus générale, face à ces hommes, femmes, monstres pervers, ses actions seront plus moralement valables. Les jeux vont mettre en place des mécaniques narratives et visuelles afin que, sans qu'il ne se pose de questions, le joueur accepte le fait que telle ou telle cible doivent être éliminées. Ces mécaniques de l'adhésion, ce travail, sont en quelque sorte nécessaire pour ne pas faire culpabiliser le joueur dans ses œuvres et lui permettre de progresser sans se poser de questions. Plus l'ennemi sera présenté comme vicié ou monstrueux, moins il se demandera, globalement, pourquoi l'abattre. Ceci est le moteur de la plupart des jeux d'action s'orientant vers l'élimination. Il ne faut pas oublier aussi la masse qui va dépersonnaliser les victimes. Dans GTA, quand le joueur décide de s'essayer à la tuerie générale, tirant au milieu de la foule, ses victimes ne sont jamais montrées face caméra, rendues humaines. Elles sont un groupe courant partout,
mais jamais la caméra du jeu n'en filmera une pour montrer sa douleur ou son agonie. Elle restera à l'épaule de l'avatar et donc relativement éloignée de cette populace partant tout azimut pour sauver sa peau. Nous retrouvons cela aussi dans le cinéma, avec par exemple The Alamo de John Wayne, qui montre l'armée mexicaine comme une énorme masse, souvent en plan d'ensemble, assez éloignée, alors que les Américains bénéficient, eux, de plans plus rapprochés. Cette différence permet dans le premier cas de ne pas s'en faire pour les personnes abattues, tandis que dans le deuxième, les blessés ou morts ont plus d'importance. Lorsque l'ennemi est aussi monstrueux que dans Doom, on peut se permettre de le montrer en gros plan avant son décès. Il est un monstre affreux, loin de l'humain, ne vivant que pour tuer le joueur. Cependant, lorsque celui-ci est humain, le problème devient autre. Montrer en gros plan ou en plan rapproché la victime, c'est la personnaliser. Elle n'est plus une masse mais une entité humaine, bien vivante dans le monde dans lequel le joueur évolue, ayant collé à elle, dès lors, toutes sortes de valeurs et de représentations. Dans Hatred, nous jouons un psychopathe. Le problème n'est pas d'incarner le loup, mais de tuer l'agneau. Nos cibles sont définies d'emblée comme innocentes. Elles ne méritent pas le châtiment infligé par le fait même de cette innocence. Le personnage en parle de manière dépréciative, mais nous comprenons que ce ne sont que des passants renvoyant à nous-mêmes ou à d'autres choses innocentes, pouvant, lors de l'exercice virtuel de la violence, faire naître un plus fort sentiment de malaise, de cruauté gratuite. De plus, les exécutions montrent les victimes en plan rapproché par rapport à la vue du dessus. Elles souffrent en face de nous et hurlent. Si les gémissements de monstres ou de sbires d'un cartel de drogue ne sont pas importants car la cible est déterminée comme mauvaise, de même dans GTA mais plus par dépersonnalisation, et parce que, et ce dans tous les cas cités, la souffrance ne vise pas de réalisme. Dans Hatred, les hurlements semblent viser le réalisme. Il devient d'autant plus dérangeant de les abattre, car les cris renvoient à une humanité que nous sommes en train d'arracher. La cible n'est pas viciée, n'est pas monstrueuse, sa mort pointe donc du doigt notre propre monstruosité, notre acte de mort. Le simple fait, par le contexte, de définir les passants comme innocents, les rendre plus humains avec des cris d'agonie, de terreur et des plans rapprochés, peut aisément provoquer le malaise. La polémique qui a accompagné le jeu, vieille de quelques années, n'a pas soulevé le bon propos. Celle-ci a encore traité de la violence dans le jeu vidéo de façon très globale, émotive, et si les créateurs étaient fous. Hatred était inacceptable pour beaucoup car les mécaniques de l'adhésion n'ont pas été appliquées par les développeurs, cela sciemment. Toutefois, il faudrait éventuellement se poser la question de la valorisation des actes violents et leur place dans la culture des figures renvoyant à l'exercice de la force, de la puissance, de manière méliorative, même avec cette mécanique de l'adhésion. Étudier notre approche des images violentes et remettre en cause une société, une culture tendant vers celle-ci, plutôt que de blâmer un développeur ou un secteur donné. Il semblerait que l'inacceptable soit défini par une société qui ne cesse pourtant de le produire et de condamner quelque chose ou quelqu'un pour éviter sa propre remise en question.